Yop, 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 c'est New Printy les amis, on se retrouve pour le 18ème épisode de ce Let's Play sur Pokémon Lune. La dernière fois les amis, on a mis KO Floramantis, on l'a démonté sa race. Et aujourd'hui les amis, on va aller je sais pas où. Oui, j'ai mes lunettes car je pense que je vais défier Ariana pour la grande épreuve. Et du coup, il faut y aller, je sais pas où, je cours, ouais mais je sais pas où, je cours, ouais mais je sais pas où. Ah si, il faut aller au CRI il me semble. Me semble que c'est le CRI. On va y aller sur Dracaufeu. On va y aller sur Dracaufeu, ouais. Lizardo no NP. H-NP. Ok, du coup, c'est pas ici. Non. Centre... Non. Mais il est où? CRI. En bas, je le vois. Ok, parfait. That's... Perfect. Ici, là. Ouais, ouais, ici, c'est bon. That's perfect. Allez, Dracaufeu, viens faire ton job, mon ami. Viens faire ton job, Dracaufeu. Esclave à plein temps. Esclave de New Princey. Mais ils sont bien beaux, mais le série, je sais pas où il est. Bon, on arrive au centre Pokémon, les amis. Dans un premier temps, on va soigner nos Pokémon. Dans un deuxième temps, on va acheter potions, repousses, etc., etc., etc. Allez, Jojo, fais ton job. Oui, mais j'en ai marre, moi. Et toujours, tu me donnes des Pokémon. Fais ton job, Jojo, je rigole pas avec toi. Dracaufeu est mon esclave. Jojo est mon esclave. En attendant, j'ai bien fait l'esclave de Barbara la dernière fois. Du coup, allez, c'est parti. Ouais, quoi? Ouais, ok, ouais, c'est bien, c'est cool. Allez, c'est bon, je m'en fous de ce que tu racontes. On va acheter donc super potion, on va en prendre 6. Voilà, des repousses parce que j'en ai quasiment plus. Ah, il y a des super repousses. That's so cool. On va en prendre 8 super repousses. Et puis voilà, il me semble que... Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On a tout acheté. Salut toi, qu'est-ce que tu vends mon garçon? Qu'est-ce que tu vends de beau? Des CT, d'accord. Mur lumière, abrir une protection, voile aurore. Pourquoi voile aurore vaut 3 fois plus cher que les autres? C'est bizarre ça. Après, je sais pas si voile aurore est une attaque 7G ou 6G. Voyons voir, attendez. Réduit les dégâts causés par les capacités physiques et spéciales durant 5 tours, on ne peut être utilisé que lorsqu'il grêle. Ah, peut-être 6G avec Dragmara, non? Ou peut-être que j'invente, je sais pas trop. Je sais pas trop. Bon, on s'en fout, dans tous les cas, on ne va pas l'acheter. On n'a pas que ça à faire. Donc, il faut que je trouve le CRI. Mais il est où le CRI? Je sais absolument pas où il est, moi. C'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Salut, toi, ça va? Le nettoyage, c'est comme un jeu. Si ça brille du sol au plafond, ça veut dire que j'ai gagné. C'est ton patron qui t'a dit ça. Eh ben, belle arnaque, hein, belle arnaque. Oh, qu'est-ce que tu fous par terre, toi? Dans une même espèce de Pokémon, il y en a à peu près 1 sur 4000 qui sont chromatiques, truc de ouf. Oh, 1 sur 4000, il dit à peu près. Soit on est resté au même taux avec 1 sur 4096, soit ça s'est réduit à 4000, je sais pas trop. On va entrer ici, on va voir ce qu'il y a. Oh, regardez le tapis, les amis! Clin d'œil à Game Freak! Bon, j'imagine que c'est tous les développeurs, designers, blablabla, blablabla. Ça doit être ça, c'est sûr et certain. Ah, le tapis, petit clin d'œil à Game Freak. C'est cool, c'est vraiment cool. On va monter au-dessus, voir ce qu'il y a. Y a rien, une porte, voyons voir, on peut entrer. Qu'est-ce que c'est? Oh! On dirait une secte, tu sais le délire, on dirait... C'est gredin, la Team Skull maltraite des pauvres Pokémon juste pour rigoler, c'est impardonnable. Faut-tu vraiment répondre à la violence de la Team Skull par la violence? Non, 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 quand même pas. La Fondation Ezo est là pour prendre soin des Pokémon maltraités et les protéger. La Fondation Ezo est là pour prendre soin des Pokémon... Ok, Pidgeotto sort de ce corps. Enfin, je me demande, qu'est-ce qui fait le bonheur des Pokémon? Mais avant tout, qu'est-ce que le bonheur exactement? Personnellement, je me sens heureux quand je suis entouré de mes amis, ou quand je mange des bons petits plats, mais est-ce la même chose pour tout le monde? Non, pas vraiment, pas vraiment. Mais, tu veux encore de l'eau fraîche? Tu en as déjà bu des litres, et tes PV sont déjà au maximum. Oh, mais laisse-le boire encore, le petit tarte. Tarte à quoi? Tarte? Tétarte? Tarte? C'était tarte, hein, lui. C'était tarte, c'était tarte. Ok, du coup, il n'y a plus d'étages, on va descendre. Mais le CRI, il est où? Ils sont bien marrants dans le jeu. Va au CRI, va au CRI, mais... bon, il faut que je trouve, quoi. C'est quand même... CRI, je crois, c'est le centre de recherche interdimensionnel. Du coup, ça devrait être un peu plus voyant que les autres trucs, je pense. Ah, là, ça me semble pas mal, là. Oh, ben, il y a Lily. Mais justement, parfait. En avant, Doudou. Utilise l'attaque... trompette, allez, vas-y. Oh, on va tester. Piou, PewDiePie. Il va nous sortir ça un jour, c'est PewDiePie. J'essaie de me mettre dans la peau de NP.
Oh, c'est mignon, je suis son exemple. Mon pauvre Doudou, tu as tellement souffert à cause des humains. Je comprends que tu ne puisses plus faire confiance à un dresseur, mais je t'assure que Tilly et Nepi sont différents. Ils s'efforcent de bâtir un avenir meilleur, je les admire beaucoup. Oh, elle est trop mignonne, elle parle de nous en bien, enfin de moi en bien surtout. Oui, n'attaque... Mais non, Piu, ne doute pas, Tilly et moi, nous sommes des vrais. Ne doute pas, ne doute pas, ne doute pas. Ah, tu étais là, tu m'espionnais, tu m'écoutais, connard, je t'aime plus. Oh, ah, allô la NP, ça faisait longtemps. En effet, c'est vrai que ça date. Ici, c'est le centre de recherche interdimensionnel. Le professeur nous attend à l'intérieur. Au fait, où en es-tu dans ton tour des îles? J'ai cru comprendre qu'il y avait 3 épreuves à Akala. Ça doit être rudement fatigant. De toutes les passées. Non, non, c'était plutôt facile. Même si j'ai bien galéré avec le banc de fou sardine, une bonne grosse galère, mais bon. Tant mieux, attends, tu veux dire que tu as déjà terminé les 3 épreuves d'Akala? Voilà pourquoi ton Tritox et toi avaient l'air aussi ravis. Ces aventures vous ont rapproché, ça se voit. Tritox et Flèche, Tiboudé, Ratatadalola et Picléron, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Du coup, on va rentrer. Bonjour, madame, ça va, tranquille? Tu te rends au centre de recherche interdimensionnel, n'est-ce pas? Que dis-je? Évidemment que oui, il n'y a rien d'autre là-haut. Ok. Je vais entrer. Je vais entrer. Laissez-moi rentrer. Mais... Ah, je crois que j'appuie... Ah, d'accord, j'appuie sur le bouton sans faire exprès. Le deuxième, forcément, apparemment, il n'y a que lui. Du coup, forcément, le deuxième étage. Il y a qui ici? Oh, Euphorb! Coucou ma chérie d'amour, comment ça va bien? Oh ce lover, que il drague les meufs d'Alolouille, que il fait ça lui? Tiens, te revoilà toi. C'est qui elle encore? Mais il drague toutes les filles, c'est un truc de ouf lui. Je te présente le professeur Pimprenelle. Mais ils sont sérieux là? Pom 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 pom. C'est moi. Bonne nuit les petits. Mais ils sont sérieux? C'est des ouf hein. C'est la chef du labo du CRI, rien que ça. Et c'est aussi ma petite femme chérie. Ah, autant pour moi. Eh, madame, je vais te dire un truc. Eh, ton pélo, là, tu sais, ton pélo au furb, là. Il drague toutes les meufs d'Alola. Eh, franchement, si j'étais toi, eh, je le quitterais. Ah, je le quitterais. TNP, c'est ça, enchanté. Lily m'a beaucoup parlé de toi. T'es vraiment un dresseur sur qui on peut compter, si j'ai bien suivi. Bien sûr. Ah, tu te demandes peut-être comment je connais Lily. Je suis tombé sur elle alors que je me promenais sur la plage. C'était il y a 3 mois. La pauvre, elle s'était évanouie de fatigue, tout comme Cosma qui s'était caché dans son sac. Bah oui, oh, je devais l'aider. Tiens, Tilly n'est pas avec vous aujourd'hui. Oh, bah tu sais, Tilly, il vit dans son coin, il n'a pas besoin de nous. Mais on sent déjà qu'il ira loin, il finira doyen comme son papé. Ah bah tiens, il est là. Sérieux, vous pensez vraiment ça? Trop bien. Ah, il écoutait en fourbe. Wow, tu m'as fait peur, haha. Mais ouais, tire à loin, petit gars. Salut Tilly, ça faisait un bail. Je vois que t'as toujours la forme. Dis chérie, tu pourrais faire un topo NP sur l'étrange phénomène d'Alola. L'étrange phénomène d'Alola, qu'est-ce que c'est? Pas de souci. Qui dit phénomène expliqué à Alola dit... Ultra brèche. What? Ultra brèche? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un phénomène super rare, mais il arrive qu'une brèche apparaisse dans le ciel d'Alola. Elle donnerait sur une dimension inconnue. L'hypothèse de la brèche dimensionnelle, on ne l'a pas pendue au hasard. D'après les légendes, de terribles Pokémon seraient sortis de cette ultra-brèche. Ça confirme l'idée d'un pont interdimensionnel. D'accord, intéressant ça. On manque de preuves pour étayer cette théorie, mais c'est une piste à creuser. Et dans le Pokédex, on trouve plein d'éléments qui laissent penser que d'autres dimensions existent. Dimension, blablabla, moi je pense à quelque chose. Des Pokémon terribles, comment ça? Eh bien, imagine qu'un Pokémon sauvage t'attaque, d'accord? Maintenant, imagine le même Pokémon en 1000 fois plus féroce et tu auras idée de ce qu'étaient les Pokémon de l'Ultra Brèche. Autrefois, on les appelait les Ultra Chimères. Ah! Tout s'explique. Et tout le peuple d'Alola les craignait. Les gardiens se seraient battus contre eux de toutes leurs forces pour protéger les îles. Enfin, toutes ces légendes sont vraiment très anciennes. C'est super difficile de démêler le vrai du faux. Du coup, on étudie les distorsions. Distorsions? De l'espace-temps. L'espace-temps? Dialga, Palkia. Il y a un lien, je suis presque sûr. Dans l'espoir d'élucider un jour le mystère de l'ultra-brèche, j'ai consigné des découvertes sur les liens entre les Pokémon et les dimensions dans les comptes rendus rangés sur les étagères du labo. Ok, ok. Ouais, mais j'ai la flemme de lire. Qu'est-ce que je fais du coup? Bah tiens, on va parler à Lily. Enfin, faut parler à tout le monde ou quoi là? C'était il y a environ 3 mois.
Je voulais voir le professeur Pimprenel pour tenter d'en savoir plus sur Cosmog, pardon. Mais je me suis perdue en chemin. Et j'ai fini par tomber d'épuisement sur la plage. C'est là que le professeur Pimprenel m'a recueillie. Elle a écouté mon histoire jusqu'au bout, malgré l'heure et la fatigue. Elle a même persuadé son mari, le professeur Euphorb, de me loger et de m'aider à percer le mystère de Doudou. Pour moi, le professeur Pimprenel est un peu comme une deuxième maman. Oh, c'est mignon, c'est chou. Ok, donc il y a un réel lien entre le professeur Pimprenel et Lily, d'accord. Salut, Cos. Tranquille, la Mifa, tout ça. Salut, Tilly. Ça raconte quoi? Moi, je vais foncer au tunnel Topiqueur. Ce sont les Topiqueurs qui l'ont creusé, non? Tunnel Topiqueur? Il y a un tunnel Topiqueur? Et Forb, qu'est-ce que tu racontes de beau, toi, mon garçon? C'était vraiment très intéressant. Qu'est-ce que t'en penses, NP? Bah, j'en pense qu'il y a de gros mystères à élucider dans cette région d'Alola. Et je pense que la région d'Alola a un lien avec la région de Sinnoh. Même si elle a déjà un lien avec la région de Kanto. Enfin, bref. Si les ultra-chimères existent vraiment, je me demande bien quel genre de capacité elles peuvent avoir. Bon, puisque tu en as fini avec les trois épreuves, il te reste plus qu'à défier la doyenne d'Akala. Un duel contre la frangine Alexia. Je sens que ça va être une grande épreuve d'anthologie. Mais oui. Alexia habite à Konikoni, de l'autre côté du tunnel Topiqueur. Bonne route à toi. Oh, et fais gaffe à la Team Skull, hein. La Team Skull. Moi, je vais rester pour discuter un peu avec le professeur Pimprenel. Moi, je vais foncer au tunnel Topiqueur. Son Topiqueur, tu l'as déjà dit, Tilly, tu l'as déjà dit. Alzheimer, Tilly, Alzheimer? Bah du coup, on va aller au tunnel Topiqueur, même si je ne sais absolument pas où il est. Et il n'y a pas quelqu'un qui peut me renseigner sur le lieu? J'aurais dû peut-être reparler au professeur Euphorb, non? Je sais pas trop, en fait. J'aimerais bien qu'on me renseigne, en fait, pour ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Oh! Ah, c'est pas la brèche dont elle a parlé? Comme par hasard, il y en a une, là, tu sais. What? On dirait une brèche dans le ciel. Eh oui, comme par hasard, dès qu'on sort... Ah, c'est pas pour rien. Eh, Tilly, t'as pas vu la brèche, toi? NP, t'as réussi les épreuves des trois capitaines. Dans ce cas, il n'y a plus qu'à traverser le tunnel Topiqueur pour rejoindre Alexia. Pour trouver le tunnel, retourne au centre Pokémon. L'entrée est pas très loin. Vers le centre Pokémon, mais il est où? Ah oui, c'est vrai, l'entrée est pas très loin. Mais fais gaffe, c'est assez facile de la rater. Ah mince. Ouvre l'œil et regarde bien les panneaux. Pokémon, vive les Pokémon! Donc, le tunnel Topiqueur serait vers le centre Pokémon. Le centre Pokémon, il me semble qu'il est là. Au bout, à peu près, de cette route. Ok, le centre Pokémon, il est là. Très bien. Regarde bien les panneaux. Mais il n'y a pas de panneaux? Tiens, il y a des panneaux, là. Ah, tiens, on va lire ça. Club Anoano. Tunnel Topiqueur, vers là? Ah, d'accord, ok. Ok, d'accord. Bah, c'était pas compliqué, en fait. C'était pas compliqué du tout. Tunnel Topiqueur. On avance. Oh, un Pokémon. Sûrement un Topiqueur. Eh ben non, même pas. Nosferapti. Gros fail. Gros fail. Osef de l'XP. On va utiliser une super repousse. Super repousse. Après encore une ou deux rencontres, mais pas plus. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est Alexia et la team... Enfin, la team, la fondation Aether, la team Aether. Alexia, elle est trop belle, cette fille, elle est trop belle. Oh, mais c'est NP, quel bon vent t'amène. C'est toi, je t'aime, bébé, t'es trop belle. Ce tunnel, c'est pas de la rigolade, sans rire. Je n'ai jamais vu autant de Topiqueurs réunis au même endroit. Par contre, des dresseurs trop confiants qui ressortent en larmes. Enfin, comment avance ton tour des îles? Fais voir un peu les cristaux Z que tu as. Alors comme ça, tu as réussi l'épreuve de Barbara. Chapeau bas, NP. Tu devrais donc être assez fort pour traverser le tunnel et sortir en un seul morceau. Je tiens boutique à Konikoni de l'autre côté du tunnel. On se retrouve là-bas. Ok, princesse. On se retrouve là-bas. Combat déjà, ça y est? Je sens, toi, une grande force. Tu utilises la force Z, je le sais. Je vais t'affronter pour voir lequel de nous la maîtrise le mieux. Mais avant, montre-moi de quelle bois tu te chauffes. Affronte tous les dresseurs de ce tunnel et reviens me voir quand tu as terminé. Ouais, non, pas sûr, parce que vous, les gens comme toi, là, ils me font faire un demi-tour de ouf. Et c'est assez relou. Oh, il y a un dresseur, là, je crois. Et un objet. Très bien, ok. Combat, creuser des tunnels, même combat. Et en parlant de combat... En garde! Allez, c'est parti! Premier combat dans le tunnel Topiqueur. Ils n'ont pas voulu reprendre, genre, cave Topiqueur, parce que la cave Topiqueur, bien évidemment, celle qui relie quasiment Argenta à Carmin-sur-Mer. Ça serait un peu du copier-coller, quoi. Un Pokémon, ok. Ené, il s'appelle.
C'est un prénom, ça? E-N-E-E, aîné? Topiqueur, ok, je m'en doutais un peu. Enfin, quoique. Allez, Rouillette, je suis quasiment sûr que Dracorage le one-shot. Il me semble que les Topiqueurs ont très très peu de PV. Je suis quasiment sûr, je dis bien, d'après mes souvenirs. Mais qu'est-ce que je kiffe mes souvenirs! Mais qu'est-ce que je kiffe mes souvenirs! Je savais que j'allais le tuer en un coup avec Dracorage! C'est déjà fini, ça y est? Mon Pokémon, tes Pokémon, tous les Pokémon sont incroyables! Rectification! Mes Pokémon sont incroyables! Tes Pokémon ne sont pas du tout incroyables! Qu'est-ce que c'est du coup ça? Sombre Ball, ok, cool! Ah d'accord, ok, bon bah on peut pas avancer plus que ça. D'accord, apparemment ici il y avait juste un dresseur et un objet. D'accord, très bien. On va aller ce côté du coup. Ok, un Pokémon. J'imagine que c'est un Topiqueur ou un Nosferapti. De toute façon les amis, ouais c'est un Topiqueur, j'en veux pas. On va utiliser un repousse, même s'il y a d'autres Pokémon à part Nosferapti et Topiqueur. Honnêtement ça sera justement que des Pokémon poison, sol ou roche, je pense à la limite. Et aucun de ces trois types m'intéresse. Enfin j'imagine qu'on tourne par là. Du coup, là, on prend la fuite, il n'a pas le talent piège. Je sais même pas si le Topiqueur d'Alola possède le talent piège. Mais on va utiliser un repousse tout de même. Repousse, repousse, repousse. Non, c'est plutôt là. Là. Ok, parfait. Du coup, par où faut passer? Non. Ok, allez. Charge Tauros. Ross! Ross! Tauros! Voilà. Un objet, cool. Oh, une pierre feu, intéressant les amis. Si vous cherchez une pierre feu, elle est là. Maintenant, vous le savez. Par contre, Tauros, je vais pas t'exploiter plus que ça. On va monter ici. Intéressant. Ouf, les choses avancent enfin depuis qu'Alixia est aux commandes. Alola. Nous sommes membres de la Fondation Aether. Nous œuvrons à la sauvegarde des Pokémon. Comme tu peux le voir, les Topiqueurs sont étrangement agités ces derniers temps. Nous soupçonnons un coup de la Team Skull. Ça ne m'étonnerait pas de leur part. Ces voyous prennent plaisir à importuner les Pokémon sans parler des honnêtes gens. Les Topiqueurs se déplacent à travers un réseau de tunnels qu'ils ont creusé pendant plusieurs années. Nous devons faire en sorte qu'ils puissent continuer de les emprunter sans se faire constamment houspiller par d'autres Pokémon. Il reste encore beaucoup de Topiqueurs agités par ici. Fais attention à toi, garçon. J'adore la musique. Elle a un air de Pokémon 5. Les héros Pokémon avec Latios et Latias. Je vous jure, c'est vrai. Je suis sûr la Team Skull, ils vont apparaître ici. Parce que eux, là, tout de suite, là, les deux qui étaient là, là, ils viennent de me parler de la Team Skull. Pimprenelle, je sais pas quoi, là, au CRI, elle m'a parlé de la Team Skull, elle m'a dit ça. Je suis sûr ils vont apparaître, c'est sûr. Je sais pas quand, je sais pas comment, je sais pas pourquoi. Une hyper potion, cool. Là, on va par où? Par... Il y a un petit chemin, ça m'intrigue. Oh, wow, 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 wow. Esquive, esquive, esquive. C'est le manège. Attrapez le pompon. Je peux toujours pas déplacer ça. Hein. Salut, toi. Ça te dirait un combat? Attaque tunnel. Juste attaque tunnel. Allez, c'est parti. Contre Oscar l'ouvrier de Pokémon. Allez, balance-moi tes deux Topiqueurs ou ton Odulite, pourquoi pas. Du coup, on va faire Dracorage, Dracorage. Ouais. Allez. Les musiques, elles sont vraiment sympas. Hein. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Coup de boule. De toute façon, au pire des cas... J'ai une question. Si un Odulite, répondez-moi dans les commentaires s'il vous plaît, si un Odulite possède par exemple le 20 PV, c'est-à-dire qu'il est au niveau... Non, il possède 30 PV, il est au niveau 8, on va dire ça à peu près. Si je fais Dracorage, et s'il a fermeté, je le tue ou je le tue pas? Moi je pense que j'enlève pas tous ses PV justement. Fermeté le fait quand même tenir avec Dracorage. Enfin je sais pas, j'en sais rien. Sachant que j'enlève forcément 40 PV avec Dracorage. S'il a moins de 40 PV et s'il a fermeté, est-ce que je le tue? Telle est ma question. Ensuite, qui l'envoie? Thiboudet, ok, on va switcher ça. Enfin, Thiboudet versus Thiboudet. Mais mon Thiboudet à moi. Mon Thiboudet à moi. C'est pas Piétisol qui l'a. Non. On va partir avec du cavalerie lourde. Et ça va être du lourd, justement. Normalement, je le dépasse.
Ok. Est-ce que ça one-shot, tiens? Ah, même pas. Il a endurance, très bien. Je me demande si les Tiboudis peuvent avoir autre chose qu'endurance. Il me semble que oui. Il me semble que oui. Creusement, MDR, LOL XD, c'était marrant, tout ça, Tiboudé. On va t'ageler tranquillou avec Pétisol. Fais vibrer le sol, Tiboudé. Yes. Et voilà. Non, désolé, Tiboudé. Quand tu seras un bourrinos, peut-être que là, tu auras une chance. Désolé, Oscar, la honte, tout ça, tout ça. Non, pas la honte, t'es face à NP quand même. T'es face à NP. Allez, on continue l'aventure, les amis. Mais on revient ici. Ah oui, on n'est pas allé là-bas, c'est vrai. On n'est pas allé de ce côté. On n'est pas allé... Oh, oui. Je l'ai vu, ne vous inquiétez pas. Voilà. Salut, trainer. T'es chaud, je l'ai vu. Mon chantier n'avance toujours pas. Well, ball. Bah t'as qu'à bosser. Et je me rappelle, les amis, mais mon chantier n'avance toujours pas. On est dans le tunnel topiqueur. Tunnel topiqueur ouvrier. Les amis, il y a un épisode de la saison 1 à Kanto. Je crois que c'est entre l'épisode 30 et 40. Il me semble même, c'est peut-être même 34, 35 ou 36. Et il y a plein d'ouvriers qui veulent construire un barrage. Là, il y a des ouvriers, ça me fait penser à ça. Et c'est des topiqueurs qui empêchent aux ouvriers de construire un barrage car ça tuerait leur habitat naturel, l'environnement, etc. Et là, ça me fait penser à ça. Des ouvriers et des topiqueurs. Bref, assez parlé. Machoke de raccourage. Ok, en deux coups, c'est réglé. Vendetta. Aïe, ça va faire mal, ça va faire mal, ça va faire mal. Résiste. 10 PV, t'es un bonhomme. Enfin, t'es une bonhomme. Enfin, t'es une bonne femme. Pardon, Rouillette, excuse-moi de ce manque de respect. Voilà. Machoke au tapis. Parfait, désolé, Karl. J'ai cru qu'il se grattait le nez. En fait, il était comme ça, mais bon, je... Du coup, on va donner une petite potion à notre cher ami Rouillette. Enfin, une super potion, plutôt. Voilà. On restaure sa life. Et on avance. J'en étais sûr. Ah, ça craint. On est en train de glaner, puis d'un coup, ce truc va en faire vivre nulle part, je comprends pas. Ils nous ont bien passé, ça passé. C'est pour ça qu'on est des brutasses comme nous, cerveau brutalisé comme ça, j'ai rien compris, frère. Vas-y, là, c'est grave le seum. Ça me donne envie de combattre le premier dresseur qui passe. Désolé pour toi, mais tu débarques au mauvais moment, au mauvais endroit, je te dis tout de suite. Oh, oui, NP. Hey, Tilly. Ah, ça va être un combat double, je le sens. Ah, j'ai cru que tu t'étais fait de nouveaux amis, mais c'est juste la Team Skull, ben oui. Comment ça, juste la Team Skull, ce manque de respect, ça défile. Po. Eh, hey, moi, la Team Skull, eh, hey, moi, ça m'aurait pas plu. Moi, ça m'aurait pas plu. Après, vous, je sais pas. Oh, vous êtes allé trop loin, Mimios. Vas-y là, combat Pokémon, vas-y. Allez, venez, bande de minables. Venez prendre votre caraclé. Oh, le couple. Le couple. Allez, Tritox, Mimantis. Mais ça va. On devrait gérer de manière gérable. J'ai envie d'éternuer, les gens. Ah, ça s'est sorti. Ça y est. Ouais, c'est bon. Alors, Dracorage sur Pikachu. Tu sais, le mec qui a rien compris à Pokémon. Je vais attaquer Pikachu. J'aime pas Pikachu. Sur Mimantis. Il attaque. Ok, Mimantis, il est cuit là, je pense. Ouais, il a moins de 40 PV à ce niveau-là. Allez, salut Mimantis. Pop. On s'occupe de Tritox maintenant. Doux parfum. Oh, merci pour cette bonne odeur. Oh, ça sent bon. Oh, j'adore. Allez, Dracorage. Je suis pris par l'odeur du parfum. Oh, le boulet lec. Et on l'achève. Travail d'équipe. Désolé, Tritox. Et niveau 25 pour Rouillette. Une petite attaque au passage. Ça serait vraiment, vraiment super cool. Non. Et ratata monte niveau 25, une petite attaque au passage. Kuba, oui, bonne attaque Kuba, on va oublier morsure, on a mâchouille. On oublie morsure. Désolé les amis, je suis enrhumé. 1, 2, tada. Oui, morsure et après Kuba.
C'est cool. Regardez le mec de la Team Skull. Il arrête jamais. Et Flèche va prendre synthèse. Mais non. Mais non. Ah, on va oublier feuillage. On a tranché herbe. Parfait. Parfait, parfait. Alors. Oh les mains. Bon, la Team Skull, vous pouvez rentrer chez vous, s'il vous plaît. Rentrez dans votre bateau pirate, là. Grr, n'était pas en forme, on vous apprendra à respect une autre fois. Vas-y, une autre fois. Pas de prendre la vie verte, Team Skull. T'es grave vénère. Vas-y, on se taille. À la prochaine. Pourquoi Tilly, pourquoi tu les imites? Tilly aussi, il les imite, tu sais. Ok, NP, c'était sympa d'être du même côté pour une fois. Mon équipe était en pleine confiance avec toi. Tu dois avoir une aura ou un truc comme ça. Tiens, histoire de fêter notre victoire. Qu'est-ce qu'il va me donner? De l'huile max. Yeah, mais de l'huile là. C'est une huile max. Avec ça, tu peux redonner des pépins des Pokémon. C'est pas cool ça? C'est super cool. Allez, retournons jouer avec les Topiqueurs. Ah, c'est bon, j'ai pas que ça à faire. Hein. Hey, oh. Tilly, écoute. Je dois aller voir Alixia, moi, tu vois, j'ai une grande épreuve à faire. Voilà. Route 9. Où sommes-nous? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, commissariat avec la Grumble et Snubble. Snub, je suis amoureuse du Grumble, là, mais c'est une peluche. Ça peut attendre, parce que je prends ma pause, là. C'est bon, wow. Si j'ai un problème, il me dit quoi, je prends ma pause? Eh, c'est les clichés, tout ça. Ah, d'accord. Donc, je me fais agresser par un flic, c'est un comble. Aucun crime à l'horizon, quel ennui. Tu n'aurais pas te battre pour passer le temps? Je me fais agresser par un flic, c'est un comble. Un comble. Oh là 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 là, il est chaud, Christophe, hein. Allez, viens te battre. Caninos, c'est ça? J'imagine. Ah, les policiers, ils ont des caninos, hein. Excusez-moi, c'est pas cliché, hein. Bon, intimidation, ouais, ça sert strictement à rien puisque Dracorage va t'enlever 40 PV forcément. Attendez, faut que je me mouche en fait une bonne fois pour toutes. Voilà. Genre. Allez, achève-le. Dracorage. Voilà. Alors le policier, hein, on n'est pas capable de protéger, hein, on se fait mettre KO par un gamin, hein. C'est un crime de résistance. Non, je plaisante. Ouais, heureusement que tu plaisantes, hein. Il est ouf, lui. Va en prison. Tu m'as battu. Salut. Si jamais tu passes à Koni-Koni, il faut absolument que tu visites le magasin d'Alixia. Il paraît qu'on y vend des pierres qui peuvent faire évoluer les Pokémon. D'accord. Et les amis, nous y sommes. Nous sommes arrivés à... Koni-Koni? C'est ici, Koni-Koni? Bien ambiance asiatique ici. D'accord, il y a des taris énormes qui squattent avec des cas d'oiseaux dans le coin. Tari, cadeau oiseau, je vais te donner un cadeau, ne t'inquiète pas. Ouais, va me le chercher, pêche-toi rapidement. Du coup, les amis, on va s'arrêter là pour ce 18e épisode de cette aventure sur Pokémon Lune. J'espère que vous l'avez apprécié, n'oubliez pas le petit like. Et je vous dis à la prochaine dans la région d'Alolouille. Ciao tout le monde.